Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Europa Universalis 4 avec la fameuse Ligue Celtique, avec le signe noir et Dame Ned, salut à vous. Salut, salut. Hello. Et on était à la conquête du Nouveau Monde, plutôt de façon plutôt bien répartie en fait, avec Dame Ned au nord, moi plutôt au centre et le signe noir plutôt au sud je crois. Très très au sud même. C'est ça. Très très au sud effectivement. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'étais en train d'essayer d'attaquer totalement à l'arrache des mecs du coin pour. Putain, c'est pas pour essayer de doubler la France, j'ai hein. Un marchand libre, voyez-vous ça. Ah, attendez, excusez, parce que mon héritier meurt. C'est, j'adore le choix. Alors, mon héritier meurt. Soit on construit une église, soit j'ai un nouveau héritier. Ah. J'aime bien le choix. Bah, après le nouvel héritier 0-3-3, on va dire qu'il y a au moins 3 et 3 quoi. Mais. Bah, ça dépend, il a quel âge ton mec surtout quoi. 37. Oh, 37, il peut avoir un nouvel héritier. Ouais, on va prendre l'église en caprès. Je sais pas pourquoi là-bas, mais pas grave. Allez hop, c'est parti. Allez, on va essayer de prendre très vite cette putain de province avant que des gens viennent foutre la merde. On va éviter l'union personnelle, j'espère, entre la Castille et le Danemark, par contre, mais... On va collecter des revenus dans le coin, nous, je pense pas que ce soit ultra utile, mais enfin, ultra rentable, mais bon. Ouais, en pillant, on perd presque plus de sous. Attention, quoi. Et au fait, je me pose deux secondes, maintenant que j'ai un foutu diplomate de dispo, est-ce que, Autriche, tu voudrais pas arrêter ton putain de partage? Comment ça se passe? Proposer un partage. Ah putain, on est vraiment fait pas, très très non, c'est marqué que t'es engagé jusqu'au 15 janvier 1584. Très très très. Ah ouais. Putain, elle m'a vraiment baisé l'Autriche là-dessus. Ouais, je crois, ouais. Ça te coûte combien par mois? Ça me coûte la cher, hein, 1,95. Ça me coûte 10% de mon revenu en fait. Ouais, c'est la peau du cul un peu. Oh vrai. Succession 3-6-4. Oh putain. Oh. Ah bah voilà. Oh. Bah, félicitations. Bah ouais, pour une fois. Moi je rappelle que j'ai une reine qui va suivre et que ça c'est vachement bien. Enfin, c'est un truc que j'aime bien, c'est original, c'est... Pour pas lire. Ah oui, t'as la petite princesse. La petite princesse Sarayd. Et pour Sarayd, je sais pas comment. On va l'appeler William. En hommage. À tous les William. Bah, un héros bien connu de l'Écosse. Ah oui. Pour être aussi bon. Alors, les mecs qui commencent à envoyer des trous chez moi. De la thune de côté pour rembourser l'emprunt, puis la thune de côté pour prendre l'institution. Alors, autant vous dire que c'est pas. Pas gagné. Hein. C'est pas tout pour tout de suite, quoi. Ouais, aussi. Et ça fait chier un peu, mais c'est comme ça. Je vais aller jeter encore un qu'elle elle est adoptée dans une de tes contrées. Ouais, je sais, mais j'ai pas les 561 ducats nécessaires à. Ah oui. Bah non, ça j'ai pas ça. Ah bah non. Enfin. Bon, on va aller taper sur ces mecs. Je pense qu'on devrait pouvoir gérer leurs armées relativement facilement. Je garde un œil sur le trône de France, évidemment. Ils sont nombreux quand même, c'est cool. Je prends. Alors, on a monté notre capital à un niveau de 36, ce qui est très très bien. Ah, joli. On pourrait faire des bâtiments si on avait la thune. Pour l'instant, on l'a pas. On la fait pas. C'est un vrai problème, la thune. Putain, moi, ça avance à 0,19 à la capitale. Quoi. Alors, on aura traversé, c'est des montagnes. Ah, on va être à moins 3. On y va, on va voir si ça passe. Est-ce qu'on pourrait péter du Huron? Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est la même zone. Ah non, après, là, c'est peut-être plus la même zone. Peut-être que je ferais mieux de me poser en Floride après. Allez, butez-les vite fait avant que les renforts arrivent. Oui! Parfait! Ouais, je sais pas. Du coup, c'est au Troyes Irlande, tout ça. Crevé. Ouais, c'était vachement grand en fait, tout ce qui m'a été octroyé. Ah ouais, les colonies elles sont balèzes. Hein. Les Castillans ils sont en train de salement s'installer au Mexique par contre. On va peut-être s'arrêter deux secondes. En fait, la Castille elle est au Mexique, en Amérique du Sud, elle est en Afrique, à trois endroits différents. Ouais, c'est un vrai problème la Castille. Ouais. Ah ouais, bah la Castille ça va être la violence à un moment, hein, clairement. Ça, ça finira mal, ça c'est sûr. Oui, ça ne peut que mal finir. On a Colombre qui arrive à la rescousse avec 1000 hommes, après avoir traversé toute l'Amérique.
Yes, colonie autosuffisante, ici, parfait. Parfait, ça c'est très très on va bien. Pouvoir renvoyer quelqu'un à Manhattan. Je veux Manhattan. Alors, moi je veux juste prendre une petite province. Oh non, je peux pas prendre la province parce que je peux pas légitimer, vous déconnez quoi. Bah tant pis, on va prendre du blé du coup. Et après on va mettre de la thune de côté, ça veut dire qu'on va arrêter de faire... Comment ? On va arrêter de coloniser. J'apprécierais attaquer le Brabant en fait. S'il est plus allié au Danemark, Bourgogne, Lunebourg, Madbourg, voilà quoi, c'est pas fou comme truc hein. Bah Danemark quand même, non ? Bah il est gros mais on a des trucs à récupérer, t'as des trucs à récupérer chez lui. Au Danemark ? Ouais, faudrait même que je fasse des... Je sais pas si je peux faire des revendications mieux que ça. Munich, non. C'est parfait ça aussi. Parfait ça ! Y'a quelqu'un qui a attaqué la France et qui l'assiège, mais c'est wonderful. La Suède voudrait une alliance, mais je pense que c'est un mauvais plan. Ouais. Ah, le fin de partage de connaissances. Bon, je sais pas pourquoi il s'est arrêté avant, mais ça va vraiment aider, ça va. Je vais apprendre les Mohicans. Ce sera fait. Je vais voir si je peux... Bon, ah bah si, mais de toute façon, c'est un rival, le Brabant. Je peux complètement aller lui péter les dents si je veux. Grâce ça voudrait pas une guerre contre le Brabant, par hasard. Bon, moi, tout je de suite, tout. Là, j'aimerais bien terminer la mienne avant, si c'est possible, mais... Et ouais, moi après ça me gêne pas en soi. Parce que le Milanais, on en a pas grand chose à foutre, mais le Brabant. Tech 13. Tech 14 du Danemark par contre, ça pique un peu. Peut-être bien de faire des revendications chez lui là. Ah, je vais voir si je peux pas me rapprocher de façon tout à fait. Oula. Ah merde, le maître de la monnaie est mort. Ah. Est-ce que je peux en faire au moins des revendications, Brabant? Voilà, c'est la violence là. Allez les mecs, venez, renfort. Est-ce que je pourrais pas m'allier à la Suède? Si, je pense qu'elle serait d'accord. Je vais voir. On va rester groupé. On va stack wipe des gens. Je vais voir ce que je peux faire contre le connard de Brabant. Ah putain, il envoie un colon là. Ouais, humiliation d'un rival, parce que là je suis à 12 de démonstration de pour les éclater. Ah mais non! Ah, il fait partie de l'Empire, ce sac à merde. Ah! Ça revient attaquer l'Autriche et tout, c'est la mort. Ah bah ouais, effectivement, là ça comme d'hab, moins... cette zone, c'est pourri, quoi. Ça devient un peu plus la violence. Là. Ouais, faudrait que je puisse attaquer Milan, mais ça sent l'idée de merde. Sinon le Danemark, quoi, mais directement. Ah si, toi tu pourras attaquer le Danemark pour récupérer des trucs. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de participer aux guerres pour récupérer de la caillasse à un moment là. Il faut que je trouve de la caillasse. Moi. Alors, imaginons que je déclare la guerre au Danemark. Imaginons. Quoi, attends. What? Attends, quoi? La province de Co s'est convertie à la fois réformée. What? Ah putain, il y a un putain de foyer de la réforme. Bordel. Hérésie. Bordel, quoi. C'est où? C'est à Co. Ako ? Côté de Caen. Oui, je sais où est Ako, allons. Oh, si tu le dis. Fuck. Je connais la géographie française, monsieur. De l'époque. Parce qu'aujourd'hui, tu parles du pays de Ako, faut vraiment dans une région particulière de la Haute-Normandie. Ah putain, puis en plus, ça va me faire perdre du blé, ces conneries. À fond. Bordel, quoi. Bah ouais. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, bien sûr, si je déclare la guerre au Danemark, la caisse t'y suit pas, et l'Autriche non plus. On va donc attendre un peu qu'ils suivent, non ? Bah, alors la caisse, elle ne suivra jamais parce qu'elle est lointaine. L'Autriche, en faveur du oui, 3, en faveur du non, moins 59. Ouais. Attitude envers les ennemis. Ouais. Donc, je pense pas. Et en face, on aurait Geldre, Frise et Brabant. Toi aussi, t'es un adversaire de Milan. Faudrait qu'on puisse peut-être attaquer le Milanais pour l'humilier. Ouais. Ah, Milan, il est badass quand même. Hein. Et Milan, là, ouais, il y aurait du monde qui rejoint. La Castille, l'Autriche. Enfin, pour ma part, si je le faisais en tout cas. Ouais, bah, je pense que c'est complètement rentable cette histoire. Hein. Mais vous pouvez attaquer qu'avec une humiliation d'arrivée. Pire, hein, comment tu lances la guerre et tu laisses faire la Castille et l'Autriche. Mais vous pouvez faire qu'une humiliation d'un rival, du coup. Ah bah ouais, oui. Mais c'est dû à ça, hein, l'humiliation d'un rival entre sapiriens, ça file de la... comment de tout. Ça file de la, ouais. Du professionnalisme de l'armée si tu participes, ça file de la démonstration de force. Oh oui, c'est vrai que c'est déjà ça. Moi je pense que, vu le peu de risques... Ah, j'enlève la pause, hein, je vous laisse réfléchir.
En plus, derrière, tu gagnes. Il y a peut-être moyen de gratter un peu de pognon. Tu sais, genre des repas de guerre et tout. C'est ça. Si tu peux, je t'accompagne. Alors après, mes troupes, elles sont complètement dans le nouveau monde, mais. Ouais, bah moi, elles sont là. C'est juste que ce qui m'emmerde, c'est que j'ai ces deux colonies là en cours. Mais bon, pire, je ferai un impôt de guerre. Hein. J'ai tellement de points que. Ouais, ça peut se faire. Faut que je remonte un peu tout le monde. Attends, je vais baisser ma maintenance coloniale, remonter ma maintenance de l'armée. Ils en sont où ? Voilà. Je vais ramener 5000 hommes. Toc. Est-ce le reste, ça va rester dans le nouveau monde pour l'instant. Je me pose 2 secondes, je vais voir si je peux pas dégager des terres au clair. Est-ce que je pourrais traverser les territoires de la France ou pas ? Ouais. Bah, si tu négocies, peut-être. Ouais, voilà. Non, mais pendant la guerre, pas sûr. Bah, avec la France, ça voudra jamais. Hein. On peut non, soumettre... mais de toute façon, l'Autriche va les défoncer, les Milanais. Allez, on va soumettre les prêtres et se débarrasser de leur mainmise. C'est parti. C'est vrai. À mon avis, on risque pas grand-chose, de toute façon. Hop là. Bon, je prépare quand même. Je débarque au cas où... Des trucs. Pas encore. Déplacement interdit par une forteresse hostile. J'ai pas de... Arthur III a repris le pouvoir. Soumission des clercs. Eh oui. Bravo. Les clercs ont été soumis par Arthur III. Mais bravo Arthur III. Allez les mecs. Vive le roi Arthur. Prenez-moi ces provinces françaises. Là. Attends, mais c'est pas le même. Faut que je réarme mes bateaux et tout donc. Ouais, moi je rapatrie 5000 hommes, je leur envoie. Donc juste là, pour. Des chartes. Histoire de dire. C'est une mission. C'est quoi la curie blé. La quoi? Ah oui, parce que j'ai une revendication permanente en... On rembourse l'emprunt. En Islande, donc ça fait des frictions avec toi. C'est pas grave. Oui, c'est pas très grave, ça. Moins 50, bah, tu m'aimes moins, peut-être qu'à un moment, quand on arrive... Perdez un stab, ou perdez 67 ducats. Mais allez vous faire foutre, les mecs, je viens de rembourser l'emprunt, quoi. Moi, c'est un stab ou un en corruption. Putain de bordel de... J'ai réussi à perdre sur mon siège, quoi. J'étais à 57%, je descends à 49%, sans déconner. Ouais, bah je vais devoir repousser tout parce que j'ai eu un en corruption et ça fait mal. Allez, on va aller défoncer ces connards, là. Parce qu'ils fatiguent. Je vais tout mettre à zéro, quoi. Oh là, ça fait tellement mal, le en corruption. C'est putain. Quoi, ça? Donc, du coup, tu pars pas en guerre maintenant, c'est ça? J'ai tout descendu. J'ai descendu ma oui, bah non, si c'était pour te ruiner, armée, tu pars pas en guerre, on est d'accord. La marine, et je suis à moins 6. En mettant tout au minimum. Là, voilà. Ah ouais, d'accord, oui, donc du coup, non, on part pas en guerre. Juste, on attend juste un tout petit peu, si ça t'embête pas. S'il te plaît. Ça m'embête, mais c'est pas grave. Alors. Moi aussi, mais bon. C'était quoi ça? Ah, les Pauntas là. Je peux se les faire, les Pauntas. Ah, mais putain, mais ils sont nombreux, ces cons, là. Ils vont m'écraser. Vache, quoi. Putain, mais tu es vachement bien étendu, hein, en Amérique du Nord, type. Hein, c'est impressionnant, hein. Ok. Ah bah, j'ai annexé tous les... comment? Tous les natifs. Ouais, non, mais c'est... Bah oui, écoute, t'as bien grossi. Ouais, je trace pour coloniser, ouais. Je vois ça. Qu'est-ce qui se passe, mon ami Ah, il m'emmerde, les... Il m'emmerde un petit peu. T'es en guerre, oui. On va taxer du blé, c'est pas grave. Peut-être des repas de guerre. Bon, j'ai réussi mon objectif, même si c'était totalement accidentel, c'est-à-dire que j'ai retardé le français. Toujours ça de prix. Vu que j'ai déclaré la guerre à toute la grosse puissance native du coin, bah il y a un mec qui a déclaré la guerre à la France et qui est du coup en train d'assiéger toutes ses colonies et de jeter ses colons. Ah, génial. Donc c'est plutôt cool. 0,34. Ah, donc du coup, on va taxer un peu de blé au mec et puis on va s'arrêter. C'est tellement long, c'est tellement long. Allez. Je vais finir par avoir une institution de retard. Putain, c'est ça le délire. Ah bah moi, je suis pas loin d'avoir la même chose que toi. Hein. Ici. Oui, tu vas. Ah, c'est la cata, vraiment. Quelqu'un. C'est quoi la prochaine? Le commerce mondial. Hein. Il faut avoir le nœud le plus riche. Ben, on n'est pas rond. Sauf si on blinde le nœud de Londres, à mon avis. Ouais, il y a moyen que ce soit Londres. Ah, sinon, ça va être gêne à tous les coups. Ça va encore finir en Asie, cette histoire. Ah, ou en Asie, ouais. Moi, je pense. En plus, ce sera en 1600. Je suis sûr que je vais l'adopter peut-être genre 10 ans avant, tu vois. Si j'ai de la chance.
peut-être même 5 ans avant, et pouf, allez, on recommence. Ça va être complètement ça. Ah ouais, il y a des chances. Moi aussi, ça va être le même genre de délire. Ouais, tu l'as adopté, toi, par contre, Breton. Ah oui, on prend... Moi, ah non, pas encore, ça coûte une blinde, pas encore. J'ai pas les thunes. J'ai pas du tout les thunes. Ouais, t'as la moitié du pays qu'il a à peu près, enfin sans compter l'Amérique, bien sûr. Allez, viens, toi. Hop, c'est bon. Bah, moi, j'économise. Ouais, mais y a pas le choix, hein. Le... On peut taxer, on peut pas taxer, non, on a déjà taxé, y a pas d'honte, ouais. On peut pas tout le temps taxer, quoi. Le blé, c'est fait, donc il me faut 314 pour la prendre. Ouais, bah alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un emprunt. Récupérer 100 points, comme ça, là. S'il vous plaît, là. Et on va adopter l'institution. Mais bah, félicitations. Oufou. Vraiment. Bravo. Bravo. Et du coup, on va passer tech 14. Ah ouais, là, il fallait, là. Ah, moi, je pourrais l'adopter avec 948, mais j'ai un petit problème d'argent. Aussi. il fallait. Ah bah après, je peux faire un partage de connaissances avec quelqu'un, du coup, si ça vous intéresse. Bah moi, je l'ai dans la capitale, donc... Ah ouais. Du coup, ne m'arnaque pas comme l'autre, ouais, je t'arnaque, et ça pas, ne marchera pas. Pas comme moi, ouais. ici, on va vous scinder, les gars. Ouais, je pense qu'il faut complètement débarquer au Panama, quoi. Allez, c'est parti. Ça y est, la corruption est redescendue. La Colombie, elle a qui? Ah, mais elle est à toi, la Colombie. Ah, la France est en train d'occuper des trucs à Cusco, l'enfoiré. Non, mais je vais... Ouais, la Colombie, elle est à moi, ouais. Allez, on va terminer ça. Allez, hop. Si je fais ça... Ouais, colonie du Mexique, après, c'est plus à toi, par contre. Le Mexique, non. Allez, on a 999 colons, vous foutez pas de ma gueule, ça passe, ça, non? La Louisiane, mais j'ai peur que les Castillans l'aient avant nous, en fait, la Louisiane. Je suis vraiment positif partout, donc la guerre, on peut prendre la tête. Oui, dans ton cul, français. La Plata. La Plata bretonne. Joli. Et du coup, on a terminé à avoir des dépendances. Très très intéressant. Ah, ça veut dire que du coup, il est sur tes territoires. Ah, il est complètement sur mes territoires. Ouais. Et comme il se fait moitié repousser là, maintenant quand il va renvoyer ses colons, ça va lui coûter une blinde. Haha, 30 par an, tiens, mange. Ah, ça fait plaisir. Joli, bien joué. GG. Du coup, on va y prendre ça. Impressionnant. Oui, ils vont t'apprécier encore un peu plus. Ah oui, il y a moyen là. Ouais, donc toujours bah, pour la guerre, ça va pouvoir se faire. Hein. Est-ce que vous avez besoin que je ramène mes troupes, peut-être? Oh, pas vraiment, vu que c'est nos alliés qui vont la gagner pour nous. Ok, pas de soucis, ça me convient. Je suis même pas sûr que j'enverrai les miens. Ça me convient. Moi, je vais y aller parce que c'est pour m'amuser un peu, quoi. Mais... Moi-même pas. La Castille ne viendrait plus, elle participe à une autre guerre. Ah, bah on va attendre la Castille alors, c'est pas un souci ça. Ouais. Ils sont en train de gagner contre Sofala et Sakalava. Très bien. Ruez vers les colonies. Ça, c'est la Louisiane. Bah, oui. Venez, les Castille. Ah, Castille, elle va nous griller. Elle va nous griller cette zone là. Elle va m'emmerder la Castille. C'est un truc de malade. Allez, on va faire des revendications vu qu'on va se poser là. C'est quoi ce coin là? C'est le Mexique ici encore? Hop. Ouais, je vais peut-être essayer de débarquer en Louisiane, en fait. Après. Puis tu vas revenir, mec. Bah, faites-vous plaisir, hein. Moi, j'essaie de une révolte. De blinder un peu l'Amérique du Sud, là. Bordel de merde. Ah, attends, je serai à la place du français, je serai tellement dégoûté. Ça me fait tellement plaisir. Plus 110 par an de propagation. C'est pas quoi. Mais par contre, j'espère qu'ils ont pas ma tech à moi, c'est... Ah, c'est des séparatistes, il y a moyen. Hein. Ouais, c'est des séparatistes, ouais, ça va être relou. De toute façon, si on part pas en guerre, je vais ramener mes troupes, hein, parce que... J'attends la Castille, du coup. Oui, bah c'est ça, bah je reviendrai. Hein. Oui, ou tu reviens pas même, hein. C'est pas grave. Hein. En soi, Ou je reviens pas, d'ailleurs, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Don gouvernement, bah, ça c'est bienvenu. Merci, les gars. Peut-être qu'il va être temps de prendre des conseillers, par contre. Tiens-toi. Viens. Ah, c'est plaisir de rencontrer. Y'a personne qui voulait, du coup, un... comment ça s'appelle? Un partage de connaissances, non? Pas besoin? Bah, pas nécessaire. Bah, là, non, plus vraiment besoin. Ok.
Par contre, Écosse, qu'on nous dit Écosse, on n'a pas de mariage royal. Question maritime, oui, bon, ça va aller. Ouais, que dalle, ils ont ma tech, ces bâtards. Ils me défoncent la gueule. On va peut-être enlever les dix, hein. Ouais. Allez. Vas-y, crève, putain. Ici, on a victoire. Parfait. T'es juste. Perdu 5000 hommes dans l'affaire, tranquille. Putain. Ah ouais. C'est pas trop cher. Et on va prendre enfin cette putain de tech diplomatique. C'est parti, quoi. Ah, mais putain, mais la réforme est arrêtée. Mais qu'est-ce qui vous foutez? Ah, mais putain, mais j'ai un truc ici. J'ai un putain de foyer. Un foyer de la réforme. Envahi par la réforme? Ah ouais, c'est parti, là. Il y a Namur. Namur, il fait chier le monde, quoi. Namur, quoi. Ça appartient à qui, Namur? À la Bourgogne. Namur, ça a foutu la merde? Ouais, complètement. Quoi, t'es Namurois? Non, je connais pas de Namurois. Hop là, nous on est posés là comme des gros. Je vais avoir les commentaires. Les gens de Namur, c'est pas les Namurois en fait, c'est. C'est les Numuriens. J'avoue que la dernière fois, les Flamands là. Les déjà Flandrois. Pour les Flamands, je me suis fait défoncer. Les Flandrois. Alors j'ai même pas percuté moi. C'est vrai que les Flandrois. Vous n'avez pas compris, vous, que c'était une blague et que évidemment je savais que c'était les Flamands. Bah si, parce que sinon on aurait bien sûr. On aurait bien sûr réagi pour défendre les viewers flamands. Quoi. J'essaye de vous faire rire et derrière on me considère. Ah bah c'est pareil, il y aurait eu les Belges, on aurait dit les Belgeois, hein, c'est... Mais voilà, hein. Bah oui, bien sûr. Comprennent pas l'humour. Ah, oh, on a repris de l'avance en technologie diplomatique. Attention, quoi. Enfin, bref. Ah, on guerre contre ces machins, là. Je peux c'est pas machin, y... alors voilà, hein. Ouais, c'est les Zouatanais. Non, les Outaouanais. Oh, quel racisme. Ouais. Outaouais. Ouais. Je me souviens de eux. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah, on a plus de casus belli conquête contre France. On va peut-être envoyer un mec quand même. Ça serait cool d'avoir des. Au cas où, quoi. Le mariage royal et l'alliance avec la Suède. Ça sera très utile contre le Danemark. C'est ça. Il manque quoi comme mariage royal? Il manque un mariage royal avec l'Irlande. Bretagne. Comment ça se fait qu'on a une sale relation comme ça? On n'est pas mariés, Breton? Ouais, c'est ce que je viens de voir, ouais. C'est pas sérieux? Ah, notre légitimité change de moins 5, hein. Parce que t'es pas assez de prestige. Hein. C'est bien parce que je t'aime bien. Ça fait mal. Ils sont tech combien, ces machins? Ils sont tech 9, hein. Ils commencent à faire un peu chier. Naturel. Putain, c'est très 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 bon, ça. Ça passe, mais ça fait mal. Y a pas la guerre des ligues, là, en Autriche, là? C'est quand, ça, la guerre des ligues? En fait, il n'y a pas eu les guerres de religion encore. Bah ça ouais, pas pété, c'est bien histoire. Ce que je me disais là. C'est toujours ouais. La religion catholique, il n'y a pas de guerre de ligue. On n'a toujours pas les ligues, on n'a pas du tout ça encore. Hein. Non. Non. C'est et bien calme dans le Saint-Empire. Faut qu'ils fassent quelque chose là. Ça, c'est n'importe quoi. Je trouve aussi, moi. Je peux même pas aller. Enfin, si, faudrait que j'attaque la Bourgogne à la rigueur. Mais. Ah putain, mais ouais, c'est en train de se répandre, mais partout quoi. Partout. Ouais, d'ici que ça arrive chez nous, tiens. Alors, les Hurons, ils sont alliés à plein de gens. Ouais, non, je vais peut-être pas déclarer la guerre au monde entier, ça va être chiant au bout d'un moment. Un désastre, voyons voir, qu'est-ce qui se passe? Conflit religieux. Ah, putain! Soit je suis passé à 75% de... Sérieusement, là? Ah, je suis à 71% d'unité religieuse, quoi. Anjou est converti à la foi réformée. Oh là là! Putain. Bretagne... Ça part en couille. Oh c'est là clair. Là. Bon, et la Castille, là, si elle pouvait arrêter sa guerre, histoire qu'on s'amuse un peu. C'est quoi sa guerre d'ailleurs? Ah oui, c'est la guerre de merde en plus. Quoi. Ouais, c'est des petites guerres, rien de particulier. Ça me coûterait combien d'upgrader ces bateaux là? 146. Ça, je prends les 15 balles qui vont avec, merci, au revoir. Hop là. On va le faire, hein. Eh, l'Autriche, faut que tu te bouges le cul, quoi. Lance ta guerre des ligues, fais quelque chose, mais. On peut pas rester dans cet état-là.
La Bourgogne. Parfait, la Bourgogne est réformée, hein. On pourrait attaquer la Bourgogne. Donc là, je ne relance plus de nouvelles colonies, les gens. C'est normal, ce n'est pas un oubli, c'est simplement que je vais... économiser ? Ouais, je vais économiser à mort. Ça se comprend, parce qu'il y a un truc qui s'appelle... l'institution ? Ouais, et puis il faut que ça s'arrête, cette histoire-là. C'est pareil, le mec qui est en train de coloniser Mohican, il va revenir. Mohican, ça va faire le taf tout seul, maintenant, c'est bon. Hop. De toute façon, ça sert plus à rien que je fasse grossir la Nouvelle-Irlande. On a déjà le bonus nécessaire pour avoir un nouveau marchand. Pour l'instant, je vois pas d'intérêt à faire grossir ça plus. Donc je m'installe ailleurs, chers amis. Donc je pensais notamment la Louisiane. Ou le Mexique, pour essayer de griller l'Espagne, mais... Putain, mais la Bourgogne est dans le Saint-Empire, vous êtes sérieux ? Ah mais, ils ont créé l'Espagne, d'accord, j'avais même pas vu. Tu ouais, dis l'Espagne... Ils viennent de créer l'Espagne, ouais. Ils ont bouffé l'Aragon, ils viennent de créer l'Espagne. Du coup, ils sont plus en guerre. Il est fat, lui. Hein. Il va poser problème au bout d'un moment, je pense. Ah oui, oui, carrément. Il va carrément poser problème. Oh, ouais, carrément. Y a aucun moment où ça va bien se passer. Hein. Pour l'instant, il nous protège, mais il y a un moment où ça va péter grave. Hein. C'est pas possible. Notre héritier est équitable. Hein. Bah, c'est parfait. On est bien con. Je peux pas arrêter ce désastre. Moi, c'est impossible. Vous êtes sérieux. Bah on va avoir des conflits religieux les gars. Putain le Finistère c'est con. On va devenir réformé surtout en fait j'ai l'impression. Ça j'arrête, ça me coûte trop cher. Arrêtez vos conneries. Hop. De toute façon ça n'avance pas alors que ça n'avance pas ou que ça n'avance pas à plus 30%. Ouais en fait j'aurais peut-être dû prendre religion imposée là, pour résister à la réforme. Tu peux prendre la contre-réforme si tu veux. J'avais pas vu venir. Oh, le Vente. Attends. Stop. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Pourquoi ça va aussi vite? Par contre, je vais devoir mettre fin à cet épisode. Car tout le monde le sait, sur mes séries, je suis le maître des horloges. Tout à fait. Voilà. Donc on va réfléchir peut-être entre deux épisodes à la stratégie à tenir pour le signe noir. Sinon, donc on arrête là. Merci d'avoir suivi l'épisode. N'oubliez pas d'aller voir la perspective de notre ami Breton pour voir ses casse-têtes stratégiques qu'on n'a pas la chance de voir sur ma perspective à moi. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye les gens. Salut tout le monde. Merci à tous.